Il y a un truc qui m'a fasciné, c'est Xi Jinping. Xi Jinping, dans un de ses discours, on ne l'a pas cité, c'est dommage. Hein, un de ses discours, il a dit on va faire des véhicules électriques et on va envahir la planète avec les batteries. Parce que nous sommes les seuls à pouvoir faire des batteries à prix intéressant, parce que nous contrôlons les terres rares. OK. Mais qu'est-ce qu'il a ajouté que personne n'a dit? Mais il a dit, mais j'ai donné l'ordre que dans 10 ans, on soit prêt pour faire des voitures à hydrogène. Oui, Marc, pourquoi ça, je vous dis ça? C'est parce que la voiture à hydrogène, elle utilise un moteur à combustion qui est le même que celui qu'on utilise chez nous aujourd'hui pour les moteurs à essence ou diesel. Il y a juste quelques petites transformations. D'accord? On est tous en train de faire des voitures électriques. Dans 10 ans, on ne saura plus faire des voitures avec moteur électrique, on n'aura plus les chaînes, on n'aura plus rien. Hein? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Qui va envahir l'Europe avec ces voitures? Après l'avoir envahi avec les véhicules électriques. Les Chinois. Et en plus, et c'est ça qui est formidable avec les Chinois, ils l'annoncent. Parce que comme ils ont des plans à long terme, ils expliquent ce qu'ils vont faire. Mais mon Dieu, pourquoi nous, on ne lit pas ce qu'ils racontent? Ça nous éviterait de faire des erreurs stratégiques majeures.